Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mouva, convaincre mon cœur ce soir. Alléluia. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous commençons par le commencement. Laisse-nous placer ce moment dans la prière. Alléluia. Et je te connais, laisse-nous prier aussi pour ceux qui peuvent écouter cette parole. Il y a pas mal de quelqu'un qui peut écouter les live, ou certains dans quelques jours, dans quelques mois, quelques années. Je peux écouter cette parole. Je connais cette parole pour faire ce dit bien. Seigneur, nous louons toi, nous bénis toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, pour la parole bénie qui peut sortir de la bouche de ton serviteur. Ta parole, Seigneur, les guérit. Ta parole les délivrer. Ta parole les relever. Ce soir, Seigneur, nous les place chaque quelqu'un qui peut entendre tes paroles, qui finit connecté ce soir. Même Seigneur Mankiken, qui peut écouter dans quelques jours, dans quelques semaines. Seigneur, tes paroles n'y passent sans eux. La terre et les ciels n'y passent, mais tes paroles y restent éternellement pareilles. Seigneur, nous louons, nous bénissons de ce que toi, le Dieu omniscient, te connais ma situation, te connais l'état. Et ce soir, tes paroles, Seigneur, pour causer. Alléluia. Tu le Dieu omniprésent, Seigneur. Seigneur, pour ton Saint-Esprit, convaincre les cœurs ce soir. Man qui n'est pas encore comme toi, Seigneur. La parole inspirée pour tous les cœurs, alléluia. Et pour sans être la vie, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils aient trouvé une solution, Seigneur, de te la voir, alléluia. Moi, je t'en merci, alléluia. Merci, alléluia. Manifeste toute la gloire, papa, alléluia. Manifeste toute la gloire, nous les cœurs libres, grands ouverts, nous peut proclamer ta grandeur, manifeste-toi la gloire. Manifeste toute la gloire, nous les cœurs libres, grands ouverts, nous peut proclamer toute grandeur, manifeste toute. Nous louons ton nom, nous louons
Laisse-nous vite toute distraction là que tout était. Hallelujah. Chante ensemble avec nous. Hallelujah. Chante en langue. Chante en esprit. Hallelujah. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Merci notre Dieu, amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ, et Dieu veut de nous l'occasion qui nous capable et jeune encore à travers ses paroles. Pourquoi par la grâce de Dieu qui est correct, qui se peut continuer à faire l'expérience avec bon Dieu. Et nous croyons que ce soir aussi, Dieu lui vous cause davantage avec nous les quiers. Vous cause en partie, l'ONCZ est bien vaste ce soir. Tu es la gloire de Dieu. L'ONCZ est bien profond. Bien vaste et bien sûr indescriptible, comment nous dire, dans le sens que les bien sûr qui nous avec nous l'intelligence les pour quasiment est impossible pour nous capable expliquer dans son l'état parfait la gloire de Dieu. Mais nous pouvons ensemble ce soir et plonge nos regards dans la parole de Dieu et nous pouvons laisser mon Dieu lui-même diriger nous par son Saint-Esprit afin qu'il nous capable donne l'essentiel, ne manque point qui nous croit qui peut être utile dans nous la vie spirituelle. Le mot la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La phrase là, c'est une fin d'entendre souvent des fois et il a sa grande place au sein du peuple de Dieu et il a aussi sa grande place au sein de l'Église. Il y a une définition qui nous capable de donner concernant la gloire de Dieu. Mais mon corps aussi, même si toutefois on donne une définition, nous voyons ici arriver explique réellement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est plus profond que l'océan. Et je tout connais que l'océan, même que l'homme finit arrivé explore l'océan, il y a beaucoup
des choses qui sont encore plus besoin découvertes et apprendre. Et nous tous connaissons que la vie spirituelle, c'est une vie qui nous reste à apprendre. Jamais pour capable arriver quand nous vous disons, nous finissons qu'on connaît, nous finissons qu'on connaît tout. Mais nous finissons comme l'apôtre Paul lui-même le dit, nous finissons en partie. Il y a bien imparfaitement. Mais le jour viendra quand l'Église peut enlever et nous tous nous allons arriver pour nous en face de la gloire de Dieu dans sa plénitude, dans sa splendeur. La gloire de Dieu. Et avant que nous vous rendions dans le passage qui nous vous causait bien sûr, si j'ai besoin de donner une définition de la gloire de Dieu, moi personnellement, bien sûr, en fouillant la parole de Dieu, en cherchant à gauche et à droite dans ma livre spirituel, dans mon matériel qui nous est là, pour pas fouiller, chercher, dictionnaire, encyclopédie, enfin, tant d'autres encore, ben livre qui a nous porté maintenant pour nous capables de faire ben recette, ben diverses versions. Pour moi personnellement, ça m'a besoin d'une interprétation de la gloire de Dieu. Mais pour cause plus ou moins, la gloire de Dieu veut dire la présence de Dieu. Quand vous regardez la Bible, comme vous venez vers vous tout à l'heure, l'exemple dans la Bible, quand la Bible dit nous la gloire de Dieu est manifestée. Et nous trouvons des personnes qui guérissent, et nous délivrés, et nous transformés, et nous recevons un miracle. Mais en fin de compte, étant dans l'intime plus en profondeur concernant la gloire de Dieu, il dit simplement, montrez-nous qui c'est Dieu qui est en action, Dieu l'est intervenir, d'agir. Il s'est vu bien sûr ce même moyen. Tous les moyens que Dieu est capable de servir, pour venir au secours de la race humaine, pour intervenir dans nous la vie, pour agir, pour nous du bien, on peut dire, pour vous délivrer, tout ce même moyen-là, ils font partie dans la gloire de Dieu. Qu'il y ait un don spirituel, qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit, qu'il y ait la parole parlée, la parole prêchée. Tout même moyen qui existait au sein de Dieu, qui est utilisé pour faire du bien du monde, pour agir dans la vie d'une personne, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu veut dire aussi les œuvres de Dieu. Dans Romains, le chapitre 1er, où il y a dit à la maison, il cause nous qui, quand nous trouvons ben, les œuvres qui bon Dieu fait créer, avec sa parole, il y a c'est la gloire de Dieu. Nous trouvons la gloire de Dieu à l'œil nu. Nous ne pouvons pas trouver. Quand nous guettons le soleil, la lune, les étoiles, et nous guettons la nature, nous guettons la création, mais c'est la gloire de Dieu en action. Les œuvres de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est plus ou moins une explication qui m'avait trop bon pour résumer tout, pour expliquer tout, qui vous déjà connaît bien sûr. Right? Et il veut dire aussi la puissance de Dieu en action. Quand nous causons la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu en manifestation. Et tout à l'heure, nous fit chanter, Seigneur, qui te la gloire, est manifesté, qu'il est manifesté pleinement dans la vie. En fait, quand la gloire de Dieu descend, c'est la puissance de Dieu en action. Dieu l'y a l'œuvre. Dieu l'y a en opération. Toute la Bible, nous pouvons dire que la Bible, c'est un livre de gloire de Dieu. Parce que depuis le commencement, nous trouvons Dieu en création. Il peut créer, mais c'est la gloire de Dieu qui peut manifester.
Parce qu'il dit, nous, les œuvres de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Dieu peut prononcer une parole, Dieu peut déclarer quelque chose peut arriver. C'est la gloire de Dieu. Ou bien, ou qui peut écouter moi, ou bien, au moins, faire une expérience de la gloire de Dieu dans la vie. Un minimum, vous pouvez dire là. Il est capable d'une guérison, il est capable d'une intervention mondiale, que Dieu finit agir dans la vie professionnelle, ou bien de côté finance, ou bien de côté familial. Ou bien finit faire au moins une expérience de la gloire de Dieu. Parce que Dieu, tout à l'heure, je peux expliquer, peut-être je vais donner un petit brief maintenant là. Quand nous causons la gloire de Dieu, une première définition qui m'a fait arriver à trouver, c'est une action, une manifestation qui pousse du monde pour donner gloire à Dieu. Voilà. Quand nous causons la gloire de Dieu, il descend dans nous la vie, il manifeste dans nous la vie. Ça, la gloire de Dieu veut dire un travail qui m'a dit pour faire dans la vie, pour pousser moi pour adorer après, pour pousser moi pour glorifier lui, pour donner la gloire. Il pense simplement une action de Dieu, un mouvement de Dieu dans la vie de quelqu'un, et puis il reste la même. Oui, mon recevoir un tour de Dieu, sur la gloire qu'il manifeste dans ma vie, c'est tout, il n'est pas ça. Quand nous causons la gloire de Dieu, finit tout ce mot la vie, veut dire, la puissance de Dieu finit en action dans ma vie, les œuvres de Dieu finit manifester en moi, sa présence finit révélée dans ma vie, qui pousse moi cette fois-ci pour donner gloire à Dieu. Ça, tout à l'heure, nous, pour Esprit Authentique, pour la gloire de Dieu. Parce que qui fait la gloire de Dieu manifester dans ma vie pour me donner gloire à Dieu? Si nous arrivons à comprendre de cette façon-là, là, quand nous vous disons, Seigneur, remplis-nous davantage de toute la gloire, c'est parce que je vous donne gloire à Dieu. En fait, frères et sœurs, quand bon Dieu communique sur la gloire dans ma vie, sur la gloire il déclenche les vignes dans ma vie, ok? Et sans la gloire qui finit déclencher, qui finit dans ma vie là, j'ai besoin de retourner vers Dieu ça. Ça me dit, rends gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Mais dire, sans la gloire n'est pas pour moi, c'est pour bon Dieu ça. Il finit manifester en moi, il me délivre moi, il finit agir dans ma faveur, il finit ouvrir la porte dans ma vie. Mais je ne peux pas la gloire là pour moi, je retourner vers Dieu, je dis Dieu, je donne ta gloire pour ça. Tu finis manifester toute la gloire dans ma vie, je donne ta gloire. Je honore toi pour sa manifestation qui te finit faire dans ma vie. Alors, de cette façon-là, Pharisée, tu nous guettes bien. La gloire de Dieu, lui tourne autour Dieu tout simplement. Right? Ça, nous vous guettez et ainsi qu'il un peu plus en détail tout à l'heure pour la gloire de Dieu. Je vous trouve, frères et sœurs, qui dans nos postes, nous vous mettre Ésaïe 35, verset 2. Vous finissez seulement sans la ligne, que vous dire, ils verront la gloire de Dieu. En fait, frères et sœurs, quand nous lisons Ésaïe 35, nous ne pouvons pas parler en détail là, parce qu'au cas contraire, juste pour aujourd'hui, moi, vous avez besoin de lire Ésaïe 35. Je vais résumer dans ma façon et je vais expliquer là où vous êtes capable de relire Ésaïe 35 depuis le verset 1 jusqu'au verset 10. Vous allez lire à la maison. Pas maintenant, vous allez lire après. Ouais. En fait, quand nous guettons Ésaïe 35, ce titre de ce chapitre-là, c'est Temps messianique, le temps du Messie. Le Messie sur les temps. Et quand nous guettons ça, passage là net, verset 1 au verset 10, nous pouvons arriver à trouver qu'il cause nous en premier lieu. Il est divisé dans les temps, pareil comme dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 2, quand l'apôtre Pierre dit tout simplement, prenez un temps de rétablissement de toutes choses sur la terre. Un temps de rétablissement de toutes choses. En fait, ça, les temps de rétablissement là, c'est les temps messianiques, les temps du Messie. Quand le Messie pourrait retourner, quand Jésus-Christ pourrait retourner. Bien sûr, nous pourquoi arriver à ce moment-là? Pas sa première venue là qui peut causer, il peut causer sa deuxième venue qui nous peut atteindre, bien sûr, dans nous les cœurs, qu'on appelle l'espérance, parce que nous croyons que Jésus-Christ pour venir pour miser nous.
temps de rétablissement de toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 2. Mais seulement le chapitre 35 est divisé en quatre parties. Divisé en quatre parties. Première partie, verset 1 au verset 3, où vous trouvez quand on lit la case, pas maintenant bien sûr, il cause nous le temps de restauration. Souvent des fois, nous cause restauration dans nos vies. Nous sommes bien, nous sommes malades, et puis nous restaurer, nous bien. Et du monde, tu veux travailler, il peut dire travail, et puis tu restaures, il regarde son travail. Et quelqu'un qui est dans son foyer s'est brisé, et puis son foyer restauré. Et il y a tant d'exemples qui nous ont donné encore. Pas sa restauration-là qui ne peut causer. Parce qu'il se peut qu'on peut être restauré dans certains domaines. Après quelques temps, on a besoin d'avoir une restauration dans l'autre domaine cette fois-ci. Parce qu'il y a une autre circonstance qui vient dans la vie. Là, il peut causer sa restauration totale et complète quand Jésus-Christ pourrait retourner pour la deuxième fois. Quand vous pouvez être restauré totalement et entièrement. Nous, Papa, lié à Manali, là, vous venez de nous verser là, right? Le chapitre 35, verset 1 à 3, qui vous le dit à la case, pas maintenant, parce que vous continuez ou bien suivez-les. Vous le lisez tout à l'heure, verset 1 au 3, lisez-nous temps de restauration. Et puis, les causes nous, en les temps, quand Jésus-Christ pour venir pour restaurer toutes choses, pour rétablir toutes choses, les bonnes un temps de vengeance et de récompense, rétribution, appelle ça. Bien sûr, ceux qui n'ont pas fait une croix dans Jésus-Christ, ils peuvent être jugés, ils ont besoin d'une explication qui ne faisait pas une croix, ils ont besoin d'une autre raison qui ne faisait pas une croix, et bien sûr, si ils n'ont pas fait une prendre une décision qui était bizarre quand ils étaient sur la terre, automatiquement, et pour une conséquence. Mais en même temps, il cause nous, d'un côté, tant de vengeance, mais il cause nous tant de récompense, de rétribution. Rétribution veut dire récompense. Récompense veut dire tous ceux qui finissent marcher avec Jésus, qui finissent croire en lui plutôt, qui finissent persévérer avec lui, qui finissent jusqu'au bout, qui finissent persévérer jusqu'à la fin, bien sûr, nous gagnons nos récompenses. Dieu pour récompense. Nous vous passons devant le tribunal, comme on dit tout récemment, nous passons devant le tribunal non pas pour être jugés, nous pas devant le tribunal pour être récompensé. Et dans d'autres personnes ne peuvent pas devant le tribunal de Dieu pour être jugées, pour être condamnées. Mais nous, les enfants de Dieu qui font quoi dans Jésus-Christ, nous pouvons être récompensés. C'est verset 4 qui cause l'eau là. Tu vois, ça c'est le deuxième point. On va aller vite à ce terme. Troisième point, il cause nous une restauration dans la guérison et dans la délivrance. Qui fait restauration dans la guérison, parce qu'il nous appelle en guillemets la santé, une restauration dans la santé. La santé. Parce qu'il y a une différence entre la guérison et la santé. Un démon est malade et guéri, mais la santé c'est autre chose. Il est dans l'état que tu n'es pas malade jamais. Alors, si vous prenez un moment, quand vous êtes pour venir chez nous, bien sûr, nous vous redonnons l'autre étape, quand là-bas, pas pour n'avoir aucune maladie, pas pour n'avoir aucune infirmité. Pas pour aucune souffrance. Right? Quand là, nous pouvons donner la santé parfaite. Un petit peu pareil quand Adam et Ève étaient avant la chute. Ils n'ont pas été malades, ils n'ont pas été infirmité, ils n'ont pas été douleur, ils n'ont pas été souffrance, ils n'ont pas été peine. Alors, tout ça là, c'était pour venir après, c'est dans verset 5 à verset 7. Verset 5 à verset 7. Et puis, quatrième point, c'est-à-dire que ces quatre points, c'est mon drôle de sa façon. Là, on met quatre points, mais il n'y a pas qu'à vous lire, qu'il y a trop cinq points, qu'il y a trop six points, qu'il y a trop sept points, ou qu'il y a même trop huit points, ou tant points, qu'il n'y a pas qu'on connaît. Moi, je vais classifier non seulement quatre points qui mon drôle paraît à la beauté. Quatrième point, c'est le point que là, nous passons dans les temps de sanctification totale. Hein? Sanctification dans le sens que. Et nous tous connaissons que Dieu lit, comment nous dire, en guillemets, dans l'un verset qu'il nous voulait, Dieu lit trois fois saint. Ça ne veut pas dire qu'il est une fois saint, il dit deux fois saint, il dit trois fois saint. Il veut dire qu'il est totalement saint, parce que le système veut dire total. Il est totalement, il est entièrement saint. Alors ce qui veut dire, nous pourrons dans l'état, après qu'il nous finisse d'enlever,
Right? D'ailleurs, nous l'écho qui venait de s'aimer est corruptible, il vous ressusciter incorruptible. Un écho qui finit s'aimer infirme, il vous ressusciter glorieux, la Bible dit à nous. Un écho glorieux, right? Plein de force, plein d'énergie, plein de courage. Pas venant aucune trace de faiblesse et pas venant aucune trace d'impiété en nous. Qu'est-ce qu'il fait? Nous finissons séparés avec le vieil homme. Nous voulons maintenant vivre dans la félicité de Dieu. Alors, il divise en ces quatre parties-là, Esaïe 35, à cause même qu'il dit, ils verront la gloire de Dieu. Il peut causer qui peut arriver dans le futur. Bon, mon fin, c'est ce terme-là, nous pouvons trouver cette gloire. C'est une autre gloire que nous pouvons causer avec vous. Nous pouvons trouver ça, la gloire-là, un jour, quand les esquisses pourraient tourner. Quand là, nous pouvons rendre une autre étape cette fois-ci. Une étape totalement différente, que vous pouvez un rétablissement total. Il n'est pas pour tomber, bien rétablir, mais un rétablissement total. Il est pour donner le temps de restauration totale. Il est tellement important. Quand là, nous pouvons être récompensés, nous pouvons passer l'éternité avec mon Dieu. Quand nous pouvons en bonne santé, et quand là, peuple de Dieu, nous pouvons vivre dans la sainteté de Dieu. Pas pour aucune impiété, le diable n'est pas pour là, pour capable de tenter, nous tombons dans le mal. Right? Aucune influence d'impiété, pas pour exister. Et dans ce moment. Ok, laisse-nous retourner cette fois-ci encore une fois. L'eau, la gloire de Dieu. Qui veut dire que mon fin explique où, ça quatre points que mon fin de nous là, que montrer où qu'il peut arriver à un moment donné, que nous pouvons donner le temps de rétablissement total, dans le temps messianique, qui veut dire la gloire de Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Quand nous verrons la gloire de Dieu, il veut dire nous vous trouve un rétablissement total. Nous vous trouve une restauration totale. Nous vous gagnons une récompense totale. Totale récompense. Nous pouvons vivre en bonne santé. Et nous pouvons passer l'éternité avec bon Dieu dans la sainteté. Ça, c'est sur la gloire. Alors, ce qui veut dire, si nous retournons, comme on cité au commencement là, nous pouvons arriver à comprendre qui est la gloire de Dieu. Il veut dire tout simplement, right, quand nous fait l'expérience de cette joie parfaite de Dieu, la paix parfaite de Dieu, quand on vit dans le bonheur de Dieu, la santé de Dieu, dans la vie de Dieu, quand on a la sagesse de Dieu en nous, la connaissance parfaite de Dieu en nous, quand on peut vivre dans la volonté totale de Dieu, nous peut vivre dans la vérité totale de Dieu, tout ça là, pour résumer, c'est la gloire de Dieu. Alors, si vous trouvez que tout simplement une qualité que Mofin Diaou, qui est la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la vérité de Dieu, la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, la vérité de Dieu, right? Tout ça là, peuple de Dieu, il trouve dans bon Dieu, ce qu'on a fait là. Ça, c'est ça la gloire parfaite de Dieu là. Quand la Bible dit nous, que Dieu l'a manifesté sur la gloire en nous, il n'est pas manifesté in toto, ça va rester. C'est une partie de Dieu qui peut manifester. T'as l'air de me montrer où, comment et qui m'a peut dire où là vous pouvez comprendre une certaine place. D'accord. Merci Seigneur. Alors, quand nous causons maintenant, frères et sœurs, la gloire de Dieu, nous avons un rapport avec la personne de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. Quand Dieu y agit dans mon vie, c'est la personne de Dieu qui peut agir dans mon vie. Right? Tout à l'heure, je vais montrer comment la gloire de Dieu finit de descendre dans la terre. Mais ce verset pour ça, il finit pas une forme. T'as l'air de monter où il y a. C'est la personne de Dieu. Right? C'est la parole de Dieu, la gloire de Dieu. Son nature, bon Dieu, son nature, c'est la gloire de Dieu. Son attribut, son qualité qui est bon Dieu, son caractère, le reflet de Dieu, l'éclat de Dieu, la splendeur de Dieu. En fait, quand nous causons la gloire, vous êtes dans la gloire de Dieu, il n'y a aucune faille. Dans la gloire des hommes, il y a une faille. Dans la gloire des hommes, il y a une faille. Mais la gloire de Dieu, il y a une faille. Il est infaillible, comment nous dire. Right? Nous, il est infaillible. La gloire de Dieu, il est parfaite. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand bon Dieu peut tous nous la vie, c'est une partie de la gloire qui peut manifester. Parce que sur la gloire, même s'il est manifesté, frère et sœur, mon corps nous caractère, c'est qu'en place.
parce qu'il m'a montré où ça, pharisien. Bon, il donne une révélation là, qui ce qui nous peut trouver là, c'est un partie. Dieu peut agir en partie dans nos vies. Dieu peut agir une toute dans nos vies. D'ailleurs, l'apôtre Paul même le dit, nous comptons bon Dieu en partie. Il dit ça très clairement, ça, tellement monté ce verset là. Il dit nous comptons bon Dieu d'une façon imparfaite, nous comptons bon Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas vraiment comptons bon Dieu in toto dans sa splendeur, dans sa grandeur. Parce que le jour viendra, comme l'apôtre Paul dit, nous pouvons face à face avec bon Dieu. Et dans ce moment-là, là, nous pouvons arriver à trouver qui bon Dieu était exactement pour la gloire du Seigneur. Bon. Vous avez tout connu, pharisiens, qui, dans l'Ancien Testament, bon Dieu révèle lui-même, pas sur la gloire, pas totalement, hein, imparfaitement, en partie, mon bébé. Il révèle lui-même. Nous prenons l'exemple, je vais donner un exemple. Dans l'Exode, chapitre 14, verset 4, quand le peuple de Dieu est sorti en Égypte, bon, il dit avec Moïse, il dit, tu connais? Pharaon, avec tout seul l'armée, pour être servi, pour éclater la gloire. Pour vous servir, Pharaon avec cela, moi, pour éclater la gloire. Qui veut dire ça, pharisien? T'as l'air de me dire où la gloire de Dieu manifestée dans nos vies veut dire? Dieu agit dans nos vies pour qu'il ensuite nous donne gloire, ce qu'il finit de faire dans nos vies. Quand bon, lui veut dire, vous servir Pharaon avec cela, mais pour éclater sur la gloire. D'ailleurs, il dit, il pour en dire si le cœur Pharaon, plus le cœur Pharaon pour en dire si, plus il empêche le peuple de Dieu sortir en Égypte, et plus pour manifester la gloire. Qui peut dire pour ça? Le peuple de Dieu, quand vous trouvez bon Dieu à agir, vous besoin de gloire à Dieu. Mais nous tous connaissons, pharisiens, qui pas tout le peuple de Dieu qui est arrivé de la gloire à Dieu. Parce que nous besoin comprendre d'affaires. Dieu lui communique sur la gloire à moi pour que sur la gloire monte vers lui. Oui. Nous te connaissons l'exemple de Jacob, pharisien. Jacob lui a une vision que lui trouve les ciels qui touchent le ciel et touchent la terre. Et tout maintenant, je vais monter et descendre. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu lui descend vers moi. Il touche mon la vie. Là, je me donne gloire à Dieu. La gloire de Dieu est manifestée dans mon travail pour qu'ensuite, je me donne la gloire à Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Dieu dit comme ça, Pharaon, puis on peut être sorti. Bon, vous servez ça Pharaon là-même, avec cela, mais tout, pour manifester la gloire. Parce qu'ensuite, je suis capable de ma gloire. Je suis capable de remercier moi, je suis capable d'honorer moi pour ça, ce qu'il m'a fait faire. Mais pas tout qui finit faire aller, mais le plus grand nombre finit faire aller. Alors, quand c'est même qui fait recette, je ne suis pas d'accord du tout. Quand il manifeste sur la gloire dans nous la vie, si nous pouvons attendre qu'il soit la gloire manifestée et qu'il nous m'y admirer. Mes amis, un pharisien finit tout le temps en paix, mes enfants. Bon Dieu, fait l'expérience avec mon Dieu. L'histoire finit prouvée depuis dans la Bible, nous trouvons ça. Dieu finit agacé, Dieu finit irrité, Dieu finit en colère quand nous sommes dans l'Ancien Testament. À chaque fois que son peuple, mes amis, pas satisfait, là, pharisien, bon Dieu finit vraiment en colère. Il y a beaucoup d'exemples, quand il y a l'Exode, c'est tout, vous trouvez. Comment Dieu lui dit pour manifester la gloire? Dis ça, peuple-là. Dis avec Moïse. Dis pour manifester la gloire. Vous voyez que c'est la gloire-là, ça fait que ça. On a pu m'admirer ici. Nous disons, nous avons besoin de la viande pour manger. Nous manger, puis finir. Qui nous pour manger? Bon, il a envoyé la manne. Il a envoyé une caille pour nous rejeter. Il a envoyé la manne et la caille-là. Il dit, nous avons envoyé la gloire. C'est la gloire-là, ça. La manne descend, la caille descend. Quand on peut. Souvent, les fois, nous croyons que la gloire de Dieu manifestée en nous, c'est simplement, moi, dire, et une circonstance, un événement de manifestation, un mouvement qui peut dérouler. Mais c'est du monde qui peut guérir, c'est la gloire de Dieu. Quand bon Dieu peut ouvrir la porte de ton travail, c'est la gloire de Dieu qui peut manifester. Quand bon Dieu peut agir dans la vie de tes enfants, c'est la gloire de Dieu. Quand Dieu peut intervenir de ta faveur, c'est la gloire de Dieu. Tout cela, c'est la gloire de Dieu qui est en action. C'est la manifestation de Dieu en action. Tout cela s'appelle la gloire de Dieu, pharisien. Merci Seigneur, quoi. Gloire à toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié en tout temps, de maintenant et à jamais. L'Exode, pharisien, toujours. Le chapitre 24, verset 17. Lisez-nous comme ça, pharisien, que Dieu lit, appelle Moïse sur la montagne des Sinaï.
où il y a la case. On appelle Moïse sur la montagne de Sinaï. Et la Bible dit nous faire c'est tout du monde qui est au bas. Quand on est sur la montagne de Sinaï, le ce sommet, il s'y trouve l'aspect de la gloire de l'Éternel comme un feu dévorant. Quand on est là-haut, quand le bon Dieu était sur la montagne de Sinaï, là, je trouve la gloire de Dieu peut manifester comme un feu dévorant. Et nous tous connaissons un pharisien qui, Moïse, tu passes 40 ou 40 nuits dans sa même montagne-là, dans son atmosphère, dans son environnement-là, dans sa présence-là. Et nous connaissons un pharisien qui, tellement Moïse, il reste dans son atmosphère-là, mais quand il descend ensuite, il finit déçu avec le peuple de Dieu, qui finit trop péado, vaudo, etc., etc. Nous ne pouvons pas trop en détail là, mais la Bible dit nous, pharisien, qui. Moïse bien couvert son visage quand il s'est présenté devant le peuple d'Israël, tellement que son visage s'est resplendi. Il y a un rayon sur son visage qui n'est pas capable de lui en face. Ça, c'est la gloire de Dieu. Un feu dévorant. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Qui veut dire un feu dévorant, frère et soeur? Un feu qui est irrésistible, qui n'est pas capable de résister. N'a pas aucun diffé, n'a pas aucun objet, n'a pas aucun élément qui est capable de résister à ce diffé-là. Des dévorants. Indestructible. Pas capable de détruire. C'est vrai que tout le temps, nous faisons des attentes ça dans le passé, concernant le Saint-Esprit, comme un diffé. Parce que le diable aussi, souvent des fois, il manifeste comme un diffé. Mais ça diffé, bon, il faut que ça le diffé, là. Tu connais ça? Et un diffé qui fait haut du mal, même très enflammé du malin. C'est même très enflammé. C'est un diffé, c'est enflammé. Il enflamme. Il fait haut du tout. Il fait haut du mal. Mais il y a un diffé qui vient de Dieu, qui lui détruit tout le mal qui est haut. Il fait haut du bien. Il sanctifie haut. Il paraît que ma l'eau qui passe dans le diffé, il purifie sa l'eau là. Il fait vivre un l'eau qui pure. Ça, c'est nous la vie spirituelle. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et qui savait ça, feu dévorant, là, les pharisiens, en parlant de feu dévorant? Right? Le feu dévorant, il inspire la crainte de Dieu, le respect et l'adoration. Quand nous causons la gloire de Dieu, pharisiens, souvent des fois, il manifeste comme un feu dévorant dans nous la vie. Et ça feu dévorant-là, pharisiens, la gloire de Dieu, quand il manifeste dans la vie, il inspire en nous la crainte pour bon Dieu. À cause même qui souvent des fois, nous besoin recevoir ce baptême dans le feu. Le Saint-Esprit est présenté comme l'esprit de feu, le baptême dans le feu. Jean-Baptiste dit, mon nom est baptisé avec de l'eau, ça l'équipe vient après moi, Jésus-Christ, les pour baptiser du Saint-Esprit et de feu. Les jeux de la Pentecôte, ben, tu recevoir le baptême de feu. C'était la gloire de Dieu qui te fait descendre à ce moment-là, pharisien. Le feu. Alors, c'est même quand je fais un passeport à le baptême de feu, là, les jours de la Pentecôte, nous trouvons un apôtre, pharisien, qui est auparavant, avant la Pentecôte, qui est craintif, qui est un père, qui tremblait devant persécution, devant malmenace, qui est découragé. Qu'à un moment donné, tu retournes dans une ancienne occupation, sans espoir, désolé comme tout, pas connu qui pour faire. Mais quand nous, les autres pharisiens, après les actes des apôtres, après la Pentecôte, dans les actes des apôtres, chapitre 2, nous faisons face, je n'ai pas peur à prison, je n'ai pas peur à baptiser, je n'ai pas peur à menace, je suis rassurant de toute l'équerre, je prêchais avec assurance. Qui se passait dans notre ministère, n'a pas un nom qui est capable de bouger. Ça me dit que c'est un fait dévorant, un fait dévorant qui est en autre. Ben dit, ben les circonstances extérieures, parce qu'il n'est pas capable de résister à ça fait dévorant là. Donc, c'est ça qui est dans notre ménage, c'est tout à fait presque l'évangile, le plus presque encore. Ben dit, ça m'en a pas facile, ça m'a dit, la tête gire, la tête c'est difficile. Non, c'était le fait dévorant. C'était un fait dévorant, Père de Dieu. Moi, je suis content que vous arriviez à comprendre ça.
Ça dit fait des vents qui est en nous, qui bon Dieu fait mettre en nous, qui nous patrouille. Il est là, lien. Il est là. Il est simplement là. Ça fait tout chrétien comme ça, si on a le Saint-Esprit, l'Esprit des feux en haut, il est comme ça, capable de ne pas être roulé, pas être croire. Bon, rappelle une femme, nous avons fait un kéadam avec un kikan, nous pouvons prier. Et tant nous pouvons venir pour donner ça à l'Esprit-là, il y a sorti des mamans, nous avons dit des mamans, pas brille-moi, comme ça tu causes. Sorti des mamans, nous avons trouvé un dit pas brille-moi. Bon, vous ne connaissez pas, moi, ça, c'est l'effet du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. Bon, mais les autres, la gloire de Dieu en nous fait, pousse-nous pour donner gloire à Dieu. Pour dire merci Seigneur. Parce que si pas tu trouves satisfait là au moins, peut-être que tu es capable de finir cette cause mentie, c'est détourner mon attention. Le feu. L'assurance, c'est indifférent, ça vous connaissez. Quand vous avez l'assurance, c'est indifférent. Quand vous priez pour un dimoun avec assurance, indifférent qui est au-dessus de l'assurance là. Et tout ça, dimoun a guéri, délivré. L'assurance. Bon. Maintenant, pharisiens, vous causez avec vous dans l'Exode, chapitre 33, verset 18. Laissez-moi vous causer avec vous qui est arrivé là, pharisiens. Pas besoin d'ouvrir la Bible. Vous connaissez, Moïse, il fait une demande avec bon Dieu, une requête. Dans chapitre 33, verset 18, Moïse fait une demande avec bon Dieu, il dit, fais-moi trouver la gloire. Fais-moi toute la gloire. Comment est-on capable de penser un homme comme un Moïse, nous le pédions dans l'Exode là, right? Qui ne trouve bon Dieu ouvert la mer rouge devant lui, qui ne trouve bon Dieu délivré mon peuple d'Israël en Égypte, quand tu mets 10 ans le linteau de la porte, ou même pour la porte, bon Dieu, tu es vivant, la mer rouge ouverte devant eux, de passer à sec, et bon Dieu, c'est vie. Pharaon avec cela en main pour manifester sur la gloire, pour faire le peuple conscient que Dieu est véritable, qu'il se faisait donner gloire. Comment se fait-il que Moïse avec mon Dieu demande, fais-moi trouver toute la gloire, mais qui veut dire ce qui peut arriver là avant l'impartie de la gloire de Dieu? Comment se fait-il qu'il pose une telle question, ou plus ou moins il fait une telle demande, une telle requête, fais-moi trouver toute la gloire? Mais il a raison. Moi, je veux dire où depuis tout à l'heure là? Quand ça verset que je finis lire avec vous, chapitre 35 dans Ésaïe, verset 2, il dit comme cela qu'ils ne vous trouvent sur la gloire. Ils verront la gloire de Dieu. La pharisée, les pécouses en leurs affaires. Ce qu'ils nous trouvaient parmi nous là, c'est une gloire, une la gloire qui, bien sûr, qui donne un certain niveau, une certaine mesure, une certaine dimension. Ils pensent ça, la gloire totale et parfaite qui vient de Dieu. À cause de même qui Moïse dit, Seigneur, fais-moi trouver toute la gloire. Mais on vit tout ça, la gloire qui est parfaite là, qui est profonde. C'est la gloire qui est totale, qui est complète. Mais on vit tout ça. Ce qu'ils m'ont trouvé là, c'est une partie qu'ils m'ont trouvé. D'ailleurs, tout ce qu'ils nous ont trouvé, ce qu'ils ont dit, pharisiens, c'est une partie. C'est un avant-goût. Tout ce qu'ils m'ont trouvé, c'est un avant-goût, ça, pharisiens. Tout. Mais le miracle qu'ils m'ont trouvé, parfois, tout un qui a trouvé un miracle, il est content. Il dit, bon, nous content, oui. Mais ça, c'est ça. Moi, nous dire ce qu'ils nous ont trouvé, là, non, il dit tout en rapport, c'est que quand nous sommes face à face avec bon Dieu, quand nous sommes ça, la gloire qui existait, la côte qui était là. À cause même qui, ça quelqu'un qui dit dans Corinthiens, qui nous croit, il est capable l'apôtre Paul, nous pas connaît, mais il est capable l'apôtre Paul, il dit, quelqu'un qui n'a une place spécifique, quand il trouve quelque chose qui n'a jamais fini de trouver, il entend le mensonge qui mensonge qu'il n'a jamais fini d'entendre, il finit à percevoir même quelque chose qu'il n'a jamais fini de trouver auparavant. Ça, nous ne pouvons pas trouver ça, ça ne pouvons pas comprendre cette dimension-là. Nous sommes une dimension. À cause de Dieu, parfois, il est capable de permettre tout par le discernement des esprits. Les dons spirituels, le discernement des esprits. Ou bien, par une vision, ou bien, par un sens. Permet tout, aller dans un certain niveau dans la vie spirituelle, pour trouver une certaine chose qui peut passer dans le lieu céleste que le bon Dieu était, que de l'habiter. Il permet tout, ça, Dieu permet tout. Mais, un parti que vous trouvez.
Quand on lit la Bible pharisien, quand on lit Ézéchiel, lit les livres d'Ézéchiel pharisien, quand l'Esprit, ça m'a un être spirituel qui existait dans le royaume de Dieu, là que Dieu était. Lit l'Apocalypse. On connaît beaucoup d'enfants de Dieu pas contents de lire l'Apocalypse. On dit, aïe, l'Apocalypse, mon tout, les loups, aïe, mon pas connaît, mon gain père. Il y a un père pour lire. Si on a quelqu'un qui sauve, il y a un père pour lire l'Apocalypse. Parce que vous connaissez que tu peux aller, où vous trouvez ce qui peut dire, oui, c'est là où vous trouvez face à face. Vous pouvez juste lire, vous pouvez faire une imagination. Mais il n'est pas pareil quand vous trouvez face à face devant vous. Dieu, parfois, il est capable de permettre tout. Il fait où rentrer en extase. Ou bien il fait où en esprit visite un certain lieu que tu étais là-bas. Il y en a beaucoup de monde qui font des que Dieu était, Dieu fait mes autres, trouve quelque chose. Et puis ils viennent, ils t'écrivent un livre, ils racontent qu'ils ont trouvé. Tout ça là, il y en a. La gloire de Dieu de sa plénitude, pharisien. La gloire de Dieu de sa plénitude. Ça que Moïse peut dire, Seigneur, fais-moi trouver ça la gloire de ta plénitude. Là, on est qui m'ont dit, les pharisiens, verset 20 ou verset 23. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, veut dire, tu ne pourras pas voir ma gloire. C'est ça qui est bon de bédéler. Bon, les dit avec Moïse, ça qui te bédé demandé là, dit, mon pauvre, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de trouver mon visage. Le visage de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Tu n'es pas capable de trouver. Ça m'a dit au début tout à l'heure là, tout ce qui nous peut trouver là, c'est un parti ça. C'est un parti de Dieu. Mais les jours viendront quand nous pourrons 100% avec bon Dieu, nous pourrons 100% dans son amour, nous pourrons 100% dans la joie, nous pourrons 100% dans son bonheur, nous pourrons 100% dans la santé de Dieu, dans la félicité de Dieu, nous pourrons 100% devant lui, dans son compagnie, en présence de ce bien-être, de ce bien-ange. De manière spirituelle, dans ce royaume, ensemble avec Jésus-Christ, 100% avec ses paroles, dans sa la gloire, dans sa volonté, dans son règne, 100%. Bon. Là, nous connaissons bon Dieu en partie, ça, t'as l'amour, tu peux dire où? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. L'apôtre Paul qui dit ça, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Le verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, voilà, c'est ça la gloire qui nous peut demander. Nous verrons ta gloire, c'est ça. Quand ce qui est parfait sera venu, quand cette gloire totale est parfaite pour manifester, right? Ce qui est partiel, ce qui pour un temps pour disparaître. Tout ce que nous trouvons là, les pour perdre valeur, les pour perdre l'importance qu'il fait, parce que nous pour trouver l'autre là dans ce 100%, dans cette totalité, dans cette grandeur. Aujourd'hui, verset 12, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, là il est obscur, au moyen d'un miroir, il est obscur, il est sombre, il est flou. Mais alors, nous verrons face à face. Voilà, c'est ça, pharisien, la gloire de Dieu. C'est ça que Moïse peut dire avec le Seigneur. Laisse-moi trouver toute la gloire. Le Seigneur dit, tu n'es pas capable de trouver la gloire à ce terre-là. Tu n'es pas capable de trouver ma face à ce terre-là. Il est impossible, tu n'es pas capable. Quand l'homme ne peut voir et ne peut me voir et vivre, il dit ça bien ici, verset 23. Quand l'homme ne peut me voir et vivre. Je veux dire, quelqu'un n'est pas capable de trouver mon Dieu face à face avec ça l'écho qu'il y était l'homme. Dis-nous bien l'homme. L'homme, là, veut dire ça, c'est quelqu'un qui faillit, qui chutait à travers Adam et Ève. Là. Ça, nous sommes un homme, là. Nous n'est pas capable de trouver mon Dieu et vivre parce que mon Dieu est totalement saint. Même nous, nous vivons dans la sainteté, même nous pouvons courir à la perfection. Nous tous, nous avons une faiblesse, nous avons un manquement. Et là, qui. Mon, il y a des questions qui font encore plus fatiguer. Mais comment tu as trouvé bon Dieu? Il n'est pas match. Parce que Dieu lit totalement ça. D'accord? Mais il nous connaît en partie. Il permet de nous goûter sur la grâce. Il permet de nous goûter sur la faveur. Il permet de nous goûter sur la gloire. De certains niveaux, de certaines mesures. Mais les jours viendront, frères et sœurs. Les jours viendront. Merci Seigneur.
Alors nous nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Alors, ce n'est pas l'exemple dans la Bible qui ne m'en parle trop en détail, là il vous prend beaucoup de temps. Dans l'Exode, chapitre 40, verset 34, lisez-nous, pharisiens, merci notre Dieu. Quand tu as besoin et présente le tabernacle devant Dieu, lisez-nous, la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Right? La présence de Dieu, tu remplis le tabernacle. Et ce qu'ils ont dit là-dedans, pharisiens, avant ça, lisez-nous, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. À chaque fois qu'il Et dans la gloire de Dieu, et dans la nuée qui est présentée, qui vient avant, et puis il vient pas derrière. Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 11, nous ne parlons pas en détail de ce point-là, mais cause nous, quand le temple de Salomon tu construis, tu peux être consacré, right? Disons-nous, la gloire de bon Dieu, la gloire de l'Éternel, tu remplis la maison de l'Éternel. Right? Dans 1 Roi, chapitre 8, verset 11, et ben, le sacrificateur, pas capable. Comment ce fonctionnement de service qui fait? Parce qu'il y a une nuée à ce moment-là dans la maison de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Pourquoi je peux comprendre jusqu'à maintenant, pharisiens? Pourquoi je peux comprendre? Il y a un des deux points qui ne sont pas à moi. Les autres versets-là, je te lis la case Ésaïe, chapitre 6, le verset 1er au verset 3. Quand Dieu t'appelle Ésaïe à la vocation pour servir, là aussi la gloire de Dieu est manifestée. Et dans Ézéchiel, chapitre 1er, verset 28, nous avons le verset là où il y a dit la case. Quand Ézéchiel a une vision, il y trouve la gloire de Dieu dans sa vision. Là, comme je disais tout à l'heure, là, nous sommes capables d'avoir une vision. Et ben, sens et bon Dieu permettent qu'il nous visite sur la gloire d'un aspect, bien sûr, d'une certaine mesure. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, si nous avons un exemple très clair. C'est Étienne, pharisien, en face de la mort, quand on appelle Lapidli, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55, quand on appelle Lapidli, pharisien, la Bible dit nous, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixait son regard vers l'échelle, on appelle Tuyéli, là, il fixait son regard vers l'échelle, il trouve la gloire de Dieu, pharisien. Il trouve cette lumière qui resplendit dans le ciel, et il trouve Jésus-Christ, puis débout à la droite de Dieu. Tout cela, pharisien, pour monter au qui. Et la gloire de Dieu liée au temps vrai, liée au temps réel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, laisse-nous tirer l'exemple maintenant de la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais pas pour faire aux autres ouvrir aux autres la Bible, mais pour le dire tout simplement à cause de l'étang. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 2. Matthieu, chapitre 17, verset 2, la Bible dit nous dit qu'il monte sur la montagne pour prier avec ses trois apôtres. C'est Pierre, Jean avec Zach. Tu as prié. La Bible dit nous devait prier, l'aspect de son visage qui changeait. Son visage qui changeait. Et dans verset 2, il dit nous son visage qui resplendit comme le soleil. Comprends-moi bien, pharisien. Ce n'est pas le soleil qui resplendit dans le visage de Jésus-Christ. La gloire là qui t'y déclenchait d'une clarté comme le soleil. Vous connaissez, pharisien, le soleil, pas capable de bout de regarder le soleil fixement, trop longtemps. Mais est-ce que ce visage qui peut resplendir comme le soleil? C'est même qu'il habite chez nous, Moïse, pharisien, quand il sortit sur la montagne de Sinaï. Après qu'il passe un bon moment devant ce feu dévorant, Dieu sur la gloire, tu comme moi un feu dévorant. Hein? Il n'y a pas de différence que tu brûles du monde, tu comme moi un feu dévorant. Sur clarté, je veux dire, sur l'éclat, comme un feu dévorant. Il y a une différence qui ne peut pas éteindre, tu peux rester à lui-même. Right? Ce visage, tu remplis avec la gloire de Dieu. Et j'ai bien couvert ce visage pour qu'il y ait un Israélien à cause avec lui. Imaginez-nous, pharisien. Ici, est-ce que ce visage, tu resplendis comme le soleil? Et ce vêtement, tu viens d'un éclatant blancheur. Blanc comme la lumière ici. Dans ma nouvelle version, dans l'évangile, dans Luc chapitre 9, verset 29, il dit à nous, éclatant blancheur. Là, pharisien, il montre nous, mon matériau tout à l'heure là, la gloire de Dieu, d'après Ésaïe 35, verset 1 au verset 10, que nous dit,
ça rétablissement de toutes choses qui vont arriver en quatre parties. Hein? Moi, je cause avec vous comment prendre ça côté restauration de la sainteté de Dieu. Pas dans le côté de Dieu, parce que Dieu lui disait de la sainteté. Lui. Dieu, c'est un Dieu qui est saint, qui, comme on nous dit, entre guillemets, trois fois saint, totalement saint. Nous, nous pouvons mener la vie de sainteté, totale. Pas prendre aucune trace d'impiété en nous. Là, nous devons bien résister la tentation. Là, nous devons bien résister l'impiété. Là, nous devons bien résister mal mauvaise pensée. Parce qu'il fait, la vieille nature est encore collée avec nous. Et on reprend l'emprise de nous la vie. Mais quand nous pouvons être libérés de cette vieille nature, quand nous prenons les cours glorieux, quand nous prenons les cours célestes, et les cours spirituels, peuple de Dieu, la pharisée, nous pouvons vivre dans la sainteté de Dieu. Éclatante blancheur. Qui veut dire dans le ciel, pharisée, et il y a tout éclatante blancheur là-bas. Un petit point noir n'a pas existé. À cause de qui? Ben, quelqu'un qui dit, oh, même avec le péché, avec le mal, pour rentrer dans le ciel, il m'a fait un truc d'une fausse route. Parce que là-bas, il y a un point noir là-bas. Un petit point noir, un petit point noir, un petit tasse noir. D'impiété, mon pécosa, ou, hein? Impiété n'a pas existé. À cause de qui, l'eau, la terre qui nous besoin de nous la vie à Jésus-Christ, nous permet de faire un travail dans nos cœurs pour qu'un jour, right, quand sa manifestation de la gloire de Dieu n'a pas arrivé quand Jésus-Christ est venu, sa vieille nature là nous sépare nous avec ça, le vieil homme nous sépare nous avec ça, ça le corps du péché là nous sépare avec ça et tout notre vie pour l'éternité avec Jésus-Christ. Nous passons le temps pour l'éternité avec Jésus-Christ, avec une éclatante blancheur, avec une atmosphère rayonnant comme le soleil. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Bon, nous continuons, pharisiens. We continue. Right? Merci Seigneur, gloire à toi. Maintenant, pharisiens, laisse-moi vous montrer un affaire qui est tellement important. Right? Qui empêche un démon de recevoir la gloire de Dieu? Vous connaissez Adam et Ève, dans la gloire de Dieu. Les tâches de désobéir, la gloire de Dieu finit qu'ils ont finalé. D'ailleurs, bon, les films bien, ça a début dans un lieu que vous étiez là, que tu as la gloire, parce que pas capable d'une cohabitation. Bon Dieu pas capable de cohabiter avec la désobéissance. Bon Dieu pas capable de cohabiter avec le péché. Un Dieu qui est saint pas capable de cohabiter avec le péché. C'est bien, c'est pas autre. Parce que c'est même qu'il dit à nous dans Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Il dit encore, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après Adam et Ève, tout le monde est né dans le péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne sont pas capables de recevoir la gloire de Dieu. Ils ne sont pas capables de faire l'expérience de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas capable de manifester en eux. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché pharisien empêche du monde de faire l'expérience de la gloire de Dieu. Si nous vivons avec cette vieille nature du péché, nous amène pour rester goût de la gloire de Dieu. Parce que ce verset-là, il dit nous très clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous faisons bien naître de nouveau. C'est pour cela que nous faisons bien croire dans Jésus-Christ. C'est pour cela que nous faisons bien croire dans l'Évangile. Right? Parce qu'il dit nous très clairement, pharisiens, dans verset 24, dans Romains chapitre 3, verset 24, il dit nous verset 23, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais il dit nous, ils sont gratuitement justifiés, pharisiens, en Jésus-Christ. Écoute ça, pharisiens. Tous font péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais pour être justifiés, en Jésus-Christ, nous recevons les gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire justifié? Ça veut dire nous revenir dans l'état qui nous était au commencement. Quand Adam et Ève partaient encore commettre le péché. Quand tu as communion avec bon Dieu. Quand bon Dieu tu as communion avec eux. Quand tu es dans la félicité de Dieu.
qu'au-delà de tu trouves, de tu dans la gloire de Dieu. Voilà. D'ailleurs, nous tous connaissons les pharisiens qui, Adam et Ève, ils ont passé un vêtement avec les autres pharisiens physiques. Ils ont passé un vêtement physique, les autres, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, avant la chute. Qui fait? Parce que la gloire de Dieu, tu couvais les autres. De tu dans la gloire de Dieu, les autres. Pas si besoin. Mettre l'ins, les autres, dans la gloire. Mais quand ils finissent de désobéir, là, ils ont trouvé qu'ils étaient nus. C'est le péché qui finit à faire reconnaître qu'ils ont tenu. En fait, ce qui finit d'arriver, le péché empêche la gloire de Dieu manifester. Nous venons nus, de quelle façon? Nous peinons la gloire de Dieu avec nous. Right? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je peinais sa vêtement de la gloire de Dieu là, aux autres. Par le péché. Right? Alors, c'est un petit moment, Adam et Ève finissent de désobéir. Je suis privé de la gloire de Dieu. Les résultats ont trouvé qu'ils ont tenu. Voici la gloire-là finalement enlevée. Hein? Bon, ça, nous ne pouvons pas trop en détail. Justifié veut dire, nous être acceptés de Dieu, nous gagnons communion avec bon Dieu, nous capables de participer dans sa nature, hein? Et nous capables de participer dans la gloire. Merci Seigneur. Nous venons la Bible faire ici dans Romains chapitre 8, le verset 30. Hein? Romains 8, verset 30, nous vous besoin un peu vite cette fois-ci, là, vous trouvez. Vous m'avez dit, vous pouvez trouver, nous besoin un peu vite. 8, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit, ceux qui, bon Dieu, finissent prédestinés, ils finissent aussi appelés les autres. Et ceux qui finissent appelés, finissent justifiés les autres. Et ceux qui finissent justifiés, ils finissent aussi glorifiés les autres. Là, pharisien, vous trouvez qui? Par la justification, nous recevons la gloire de Dieu. Glorifier veut dire, bon Dieu finit glorifier nous, qui veut dire, nous finit recevoir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu habite au-dedans de nous. Nous avons la gloire de Dieu en nous. Right? C'est la gloire qui Adam et Ève finissent là, par le péché. Maintenant, nous, par Jésus-Christ, par son amour, par son sacrifice, par son sang qui finit verser, par sa souffrance, il rachète nous. Lui-même nous rédempteur. Par ce disant, frères et sœurs, nous finissons être justifiés, veut dire, nous finissons être rendus non coupables. Right? Nous maintenant être acceptés de Dieu. Bon Dieu, reconnaît-nous. Nous sommes enfants maintenant. Nous finissons enfants, bon Dieu. Voilà. D'accord? Et qui dit enfant de Dieu, si bon Dieu est dans la gloire, nous sommes dans la gloire là, est manifestée en nous. Right? Et là, frères et sœurs, je vous montre comment la gloire de Dieu est arrivée. Manifesté en nous, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons un peu vite, là, frère. Nous avons des questions, vous les autres, encore nous parler. Je suis content de finir ça aujourd'hui même. Right? 2 Corinthiens chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit à nous? Or, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Right? Et parce que nous, liberté, en rapport avec quelqu'un qui est esclave du péché. Quand Adam et Ève finissent péché, ils finissent être vendus au péché. La Bible dit, nous sommes dans Romains, nous ne pas trop en détail là. Ils finissent être vendus au péché. Vous voyez qui est arrivé? Ils finissent être esclaves du péché. Le péché n'a acheté les autres. Voilà. Ils finissent être esclaves du péché. Là, ils disent maintenant, là, quand le Saint-Esprit y était, là, il y a la liberté. Qui veut dire, pharisien, le moment qu'on finit justifié, ou fin accepter le Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit fin glorifier où? Mon Dieu fin glorifier où? Il fin met ce Saint-Esprit à où? Veut dire où est quelqu'un qui est libre maintenant du péché. Right? Et puis il dit, nous tous qui le visage découvert, verset 18, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Parce que quand vous êtes devant le miroir, vous pouvez aussi dans le sens maintenant, quand vous êtes dans le miroir, quand vous êtes devant le miroir, right? L'alipekozou, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, les vis-à-vis où dans un miroir là. Right? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Où trouve la gloire de Dieu dans un miroir là, où peut être la gloire là. Right? Là, il dit, une transformation qu'il fait. Et plus où est-ce plus la gloire là qu'il fait, nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire, ou vient dans sa forme qui sent la gloire était là-bas. De gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit.
C'est un travail de Dieu. Right? Nous sommes ça, nous parlons des gloires en gloire. Des gloires en gloire veut dire, moi, il y a la gloire qui m'ont dit place devant moi. Right? Et moi, laisser la gloire là faire ce travail en moi. Right? Et à un moment donné, qui est arrivé, moi, je viens dans la même image que ça, la gloire là. Et il est mort dans sa même image de ça, la gloire là. La gloire, la tient la gloire. Tu t'imagines ça, pharisien. La gloire, la tient la gloire. Right? Quand on a la gloire de Dieu, où? La gloire de Dieu, où là, pour attirer la gloire de Dieu davantage dans la vie. Apparemment, bon Dieu, quand on a Dieu en haut, tout ce qui est Dieu est là pour tomber dans la vie. Parce que Dieu en haut attire les choses de Dieu. Le diable de la vie du monde va vous permettre d'attirer les choses de Dieu. Le diable, un démon dans la vie du monde, pas pour attirer, pour attirer les choses de Dieu. C'est les choses de Dieu en lui, le Saint-Esprit, la présence de Dieu qui permettait d'attirer les choses de Dieu. Right? À cause même qu'il disait dans Colossiens, chapitre 3, verset 1 à 3, il disait, si nous finissons ressuscité avec Christ, nous pourrons ressusciter les choses d'en haut, que les esprits peuvent assiser à la droite de Dieu. Parce que nous, lesquels maintenant, l'attirer vers le haut, que les esprits étaient. Là, quand nous, lesquels l'attirer, il attirer pour ça quelqu'un qui nous peut trouver dans ces images-là, dans ce miroir-là. Right? Nous trouvons right? La gloire du Seigneur, elle est manifestée en nous. Père de Dieu, c'est un travail de Dieu, ça va. Qui est arrivé là-là? Là-là, nous allons tout de gloire en gloire. Comme le Seigneur, l'Esprit, de gloire en gloire, nous allons faire ici. Right? Alors, ce qui veut dire la vie spirituelle, c'est une vie de gloire en gloire. Ce n'est pas une vie dégradée, rétrogradée. C'est quelqu'un qui dit qu'il peut avec le Seigneur, mais sur la vie, il peut rétrograder. Plus le temps passé, il peut rétrograder, il peut appeler de gloire en gloire. Et comment il est capable d'aller de gloire en gloire? Il faudrait que ça, quelqu'un là, maintenant, il est dans sa image, ou plus ou moins dans sa miroir de la gloire de Dieu, permette de manifester davantage en lui. Parce qu'il dit nous très clairement, pharisiens, que Dieu finit glorifier nous. Comment Dieu finit glorifier nous? Par ce Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit en nous, pharisiens, qui permet que la gloire de Dieu réside en nous. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, l'Esprit des gloires. Un Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 12, disait-nous très clairement, Dieu vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Quand nous causons le royaume de Dieu, pharisiens, on veut dire la gloire de Dieu. Là que le bon Dieu est, il est dans la gloire de Dieu. Cherche d'abord le royaume et sa justice. Quand on cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu, la gloire de Dieu est bien manifestée. Qui est priorité dans la vie, c'est ça qui est démontré, qui définit la vie spirituelle. Dieu finit appelé nous à son royaume et à sa gloire. Quand on persécute le royaume de Dieu, la gloire de Dieu s'est manifestée en même temps par le Saint-Esprit. Right? 1 Pierre, le chapitre 4, verset 14. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14, lisez-nous l'Esprit des gloires, l'Esprit de Dieu qui repose sur vous. Qu'est-ce que ça fait ici? Lisez-nous l'Esprit des gloires, 1 Pierre, chapitre 4, verset 14, l'Esprit des gloires, le Saint-Esprit de Dieu repose sur vous. Le mot repose, frère, c'est qui mot qui sortit dans le mot repose? Repos. Vivre dans le repos de Dieu. Qui permet de nous vivre dans le repos de Dieu? C'est la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit en nous. Le contraire du repos, c'est fatigue, trouble, agitation, bouleversement, complications, affliction, douleur, peine, souffrance, pas connaît, stress, dépression. Tout ça, là, il trouve, c'est le contraire du repos. Est-ce qu'il dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, nous fatiguer, nous changer, nous déprimer, nous bouleverser. Mais il dit, ici, pharisiens, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de gloire. Alors que c'est un qui dit, moi, tu peux dire ça, pharisiens. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Qui veut dire, pharisiens, le moment où le Saint-Esprit habite en moi, hein, mon capable expérimente la justice de Dieu, expérimente la paix, la joie de Dieu dans mon avis. La paix, c'est le contraire du trouble. Le repos, c'est la paix. Viens ici, la paix, le repos. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Hébreux, chapitre 1, verset 3,
Il y a nous qui Jésus-Christ lui-même le reflet de la gloire de Dieu. Reflet. Pourquoi on dit qu'appelle reflet? Right? Le reflet du soleil, rayon du soleil, comme on nous dit. Ou du soleil, c'est qui peut toujours là, pas le soleil, c'est ce rayon qui peut toujours. Si le soleil toujours, ça ne fait pas beau. Imaginez si le soleil, c'est même qu'on cause la gloire. Right? Si c'est la gloire de Dieu là, vrai même divin, on nous dit face à face, nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas dire, si Jésus-Christ, ce visage peut resplendir comme le soleil, comment le soleil. Imaginez-nous quand il clôté, ça. S'il descend dans son plénitude, même les vignes là, qui va arriver? Comment ça pour faire? D'accord? Jésus-Christ lui-même le reflet, rayon de la gloire de Dieu. Right? Quand nous causons bon Dieu, ce reflet, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, c'est un mot pour demander, nous lire dans sa verset là, dans Jean chapitre 1, verset 14. Right? Jean chapitre 1, verset 14. Right, nous faisons vite, vite là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y a qui dit à nous. Et la parole a été faite chair. Et puis, nous, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ fait une fête chair, la chair. Hein? La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et puis, nous, de Jésus. Qui est la parole, si vous l'avez dit depuis le commencement, vous trouvez qu'il y a au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, etc., etc. Toutes choses ont été faites par elle, etc., etc. Là, Lévini dit la parole a été faite chair, Jésus-Christ. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce qui veut dire, pharisien, Dieu, quand nous avons Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que, ben, n'importe, je dis, quand Jésus-Christ vient sur la terre, je fais une trousse à la gloire de Dieu là, manifestée sur la terre. C'est tout comme si Dieu en personne, c'est mal dit dans la chair, Dieu personnifié sur la terre, peut agir, peut délivrer, peut faire du bien, peut sauver du monde, peut ouvrir la porte ici, peut intervenir par ici. Tu vois? Pas pour le même message, puis donner une parole, puis encourager, puis transformer la vie de monde. C'est la gloire de Dieu. Il ne peut pas cause trop longtemps là. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Et la Bible dit nous faire ça dans Jean chapitre 2, verset 11, à Cana. Jésus-Christ s'est manifesté sur la gloire. Comment s'est manifesté sur la gloire? Puisqu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Puisqu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Quand il est sur la terre. Et bien là, Dieu fait une troulie, ça reflet là. La gloire du Fils de l'homme. Right? Il fait des levines divins. Dis-nous très clairement ce qui se manifeste sur la gloire. Right? Ça joue là et se manifeste, tu crois en lui. Il fait des levines divins. Un miracle, c'est la gloire de Dieu, frère et soeur. On recevra un miracle. Ou tu es malade ou guéri, mais c'est la gloire de Dieu qui est manifestée en vous. Par le Saint-Esprit. L'Esprit des gloires financé en vous. Ou la vie, tu travailles, ou la vie, c'est difficile, c'est compliqué, ou pas, tu connais ce que vous faites, ou tu peux penser suicider, ou tu peux penser mourir, ou finir un goût de vivre à cette terre, Dieu financier dans la vie, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée par le Saint-Esprit à travers la parole de gloire. À travers Jésus-Christ, le Fils de gloire. Dans Jean chapitre 9, verset 3, tu es un aveugle, et ce disciple de Jésus-Christ, il est avec ça qui est aveugle là. Qui fait les filles nés aveugles? Est-ce qu'il fait un péché ou bien son parent qui fait un péché pour qu'il est né aveugle? C'est ce qu'il dit très clairement. Mais c'est afin que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu manifesteront en lui. Il est aveugle, oui. Qui son parent qui est né un péché, qu'importe d'ailleurs, qui son parent qui est né un péché, bien Adam et Ève, à travers Adam et Ève qui n'arrivent ça. N'importe qui mal qui existait dans la vie, il y a monde qui son papa fait faire, qui son grand-père fait faire, qui son n'importe qui fait faire, ça, bien lui-même il fait faire. Mais tout ça, c'est sur Tchikot Adam et Ève, ça, sur désobéissance. Il dit afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu, il dit la gloire de Dieu. Il va dire nous dans Romains, ça, il dit où tout à l'heure là? Les œuvres, il dévoile, il définit la gloire de Dieu. Mais les œuvres qui vont dire, fin faire la terre. Merci Seigneur. Nous connaissons Lazare, pharisien, dans Jean chapitre 11, verset 4. Quand la pharisien, maintenant, avoir une nouvelle, Jésus Christ, tu connais Lazare, il est très très malade. C'est ce qu'il dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Il n'est pas dit cette maladie est la gloire de Dieu. Non, la maladie, ça met la gloire de Dieu. La maladie, quand elle est guérie, c'est la gloire de Dieu.
C'est quand du monde délivré qu'il appelle la gloire de Dieu. Ça, tout le temps, me fait dire. Un monde, vous sautez, vous roulez en bas, ça fallait vous rouler en bas. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu qui peut manifester. Quand on est délivré, il arrête de rouler en bas qu'il appelle la gloire de Dieu, frère et soeur. Et nous devons veiller à ce que quand du monde roule en bas, pas permettre qu'il s'affale pour rouler, prier pour qu'il est délivré, pour qu'il arrête de rouler en bas. Parce que Dieu n'a pas un crédit pour lui rouler en bas. Dieu a un crédit pour lui marcher, faire son activité, là, le travail, il fait son travail, la case, il fait tout ce qu'il a pour faire. D'accord? C'est ça la gloire. La gloire de Dieu, c'est quand du monde guérit, quand du monde délivré, quand du monde transformé. Ce n'est pas quand du monde pèse l'eau, lui-même pèse l'eau, lui-même. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et dans l'auction, ce n'est pas ça l'auction, Varissa. L'auction, c'est quand du monde délivré. C'est une belle l'auction, le tout du monde peut crier des mots pour les autres. C'est une belle l'auction. Non, 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 non. Quand il est délivré, qu'il appelle l'auction en manifestation. C'est ça qu'appelle la gloire. Parce que la gloire veut dire l'auction en manifestation. Le Saint-Esprit en manifestation. C'est ça qu'appelle la gloire de Dieu. La gloire veut dire Dieu glorifié. Quand du monde peut manifester des mots pour les autres, Dieu peut glorifier là. Mais quand il est délivré, c'est des mots là qui vont être glorifiés. La gloire de Dieu veut dire Dieu glorifié. Une circonstance, une œuvre qui permet de bondir son nom glorifié. Quand il m'en appelle malade, mon Dieu ne peut pas être glorifié. Quand il m'en a encore de ce problème, de ce dette, il ne peut pas être glorifié. Il encore de sa souffrance, il ne peut pas être glorifié. Mais quand il m'en a délivré, c'est ça qu'appelle la gloire de Dieu. Parce que Dieu peut être glorifié dans un moment-là. Littéralement important. Pas oublier ce qu'il dit avec ma sœur de Lazare dans Jean chapitre 11, verset 40. Si je crois, je vous trouve la gloire de Dieu. Voilà. Alors, ce qui veut dire, frère et soeur, on met un point de réflexion, c'est que soit on vit faire l'expérience de la gloire de Dieu, ou vous êtes quoi dans tout ce qu'il nous dit à vous, ou vous êtes quoi dans Jésus-Christ, ou vous acceptez-le comme un sauveur personnel, ou vous êtes quoi dans la parole de Dieu, ou vous êtes quoi dans ce sacrifice, ou vous êtes quoi dans son amour, ou vous êtes quoi dans sa résurrection, ou vous êtes quoi que le Saint-Esprit lui fait un travail dans la vie, ou vous êtes quoi qu'il m'ont dit compte en haut, ou vous êtes quoi qu'il m'ont dit envie d'agir dans la vie, ou vous êtes quoi qu'il m'ont dit capable de transformer la vie, ou vous êtes quoi qu'il m'ont dit compte en haut, ou vous êtes quoi qu'il m'ont dit envie d'agir pour vous, m'ont dit dans haut côté, ou vous êtes quoi là vous trouvez la gloire de Dieu. Croire dans la puissance de Dieu, croire dans la gloire de Dieu, trop important, frères et sœurs, pour qu'ils nous capables trouvent la gloire de Dieu et manifester. Et pour moi, terminer maintenant, frères et sœurs, vous connaissez mon vocal, il y a tout ce même point-là, je vais donner un seul exemple, d'accord? Un seul exemple, d'accord? Merci Seigneur. Qui fait bon Dieu de manifester sur la gloire en nous pour qu'il nous donne la gloire? Qui fait bon Dieu de manifester sur la gloire en nous pour nous donner la gloire? Parfois, nous disons, nous trouvons la gloire de Dieu à Dieu. Mais la gloire de Dieu à Dieu, c'est pour donner bon Dieu gloire après. Qui veut dire donner bon Dieu gloire? Bon Dieu fait une manifestation de la gloire dans toute la vie. Maintenant, tu viens retourner sur la gloire-là. Tu dis, Seigneur, me rends-toi gloire. Parce qu'il fait, parce que tu fais agir dans mon vie, tu fais transformer la vie. C'est un acte de reconnaissance, un acte de remerciement vis-à-vis de Dieu. Nous donner gloire ou honorer pour ce qu'il fait faire dans la vie. Merci Seigneur, gloire à toi que ton nom. Nous avons un exemple très clair là-dedans, pharisiens, c'est dans Luc chapitre 17, le verset 11 au verset 19. Écoute-nous, les 10 lépreux, tous les 10 tu guéris quand tu viens vers Jésus-Christ, mais un seul t'y retournait, pharisiens, un étranger, la Bible dit très clairement, un seul t'y retournait et tu donnes gloire à Dieu. Hein? Il dit bien, et tu donnes gloire à Dieu. 10 qui can guérit la lèpre, un seul retourné donne gloire. Qui veut dire ça, un qui canne, qui fait des voix qu'il besoin faire. Mais je suis conscient qu'il s'est guéri, c'est la gloire de Dieu qui fait manifester en lui. Maintenant, le bien dit, Seigneur, merci pour ça, la gloire qui te fait manifester dans ma vie là. Merci pour cette guérison que tu fais dans moi là. Là, on connaît qui c'est ce qu'il dit à les pharisiens, verset 18. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dans ma version, il dit, de la foi fait rendre toi complet maintenant, c'est complet. Tu es quelqu'un complet à cette terre. Pas seulement tu fais guéri. Pas seulement tu tiens la lèpre, tu fais guérir de la lèpre. Maintenant, tu te complètes dans le sens de te guérir de la lèpre spirituelle. Te délivrer de tout mon péché. Te délivrer de tout mon mal. C'est ce qui fait me prononcer une parole comme ça, lépreux là. Pourquoi ça, qui a fait bien sauver ça, frère et soeur? Moi, de nous garantir 100%. Qui connaît, tu font partie. Qui connaît, moi, pas dire comme ça. Qui connaît, tu font partie de ça, 120 disciples. Qui tu peux prier le jour de la Pentecôte, frère et soeur? Qui connaît? Qui connaît? Et qui connaît? Et qui connaît? Qui tu font partie? Parmi ça, 120 qui tu veux prier les jours de la Pentecôte. Qui fait? Parce que c'est ce qu'il dit. Allez, te fais venir quelqu'un complet, c'est-à-dire. Tu passes une vraiment une guérison, tu gagnes tout, tu gagnes le pardon, tu gagnes le salut, tu gagnes la transformation,
Donc elle a une vie bénie maintenant, elle a une vie de Dieu maintenant. C'est ça qui nous faisait comprendre, frère Richard. Quand bon Dieu guérit du monde, il y a un mot qui dit ça dans le rayon de délivrance. Mais quand bon Dieu agit dans nous la vie, laisse Dieu dans nous la vie pour qu'il nous capable de marcher avec lui ensuite. Pour qu'il nous capable de donner gloire. Pour qu'il nous capable de remercier lui. Jamais et jamais, vous recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous faites comme si c'était l'innormal ça. Moi, tu viens recevoir ça. Moi, tu mérites ça, moi. Moi, tu viens gagner ça, moi. Il n'est pas comme ça. Vous vous apprenez à dire merci, dire bon Dieu merci pour tout ce qu'il y fait dans ou la vie pour la gloire. Du Seigneur. Il y a des questions que je suis capable de dire où faire ça. Vous pouvez trouver que vous vous arrêtez la même plus tôt. Right? Vous arrêtez la même plus tôt parce que le temps passe. Et le temps n'a pas suffi pour nous capables de dire où ce qu'il y a pour dire. Mais c'est même celle qui se cause avec vous. Un premier même point, qui est un danger, frère et soeur, en parlant de la gloire de Dieu, c'est que quand la gloire de Dieu est manifestée, souvent, des fois, nous prenons la gloire là pour nous. Nous croyons que c'est nous qui finissons faire ça. Right? Et il y a nous dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, verset 7, qui fait te glorifier toi, qui fait te glorifier toi quand quelque chose peut arriver, qui fait te dire comme si c'est toi qui finis faire ça, qui fait te glorifier toi, qui fait comme si ça m'était fait recevoir ça, quelque chose, sa pouvoir, sa don, sa capacité pour permettre quelque chose d'arriver, qui fait te penser à te mettre ça là toi, qui fait te glorifier toi, faire ça, bon Dieu, pas d'accord là. Parce que sur la gloire, vous retournez vers lui. Imagine bien, quand bon Dieu finit guéri, toi, mon frère, mon sœur, tout le temps guéri, n'importe travers, n'importe qui s'en a, même à travers des mois, mon fin prier, on trouve guéri, la gloire vous est donnée à Dieu. Il ne faut pas donner ma gloire dans le sens qui comme si moi qui prie pour vous, moi qui guéris vous, moi qui finis ouvert la porte pour vous, moi qui finis intervenir dans vos frères, moi qui finis mourir la quoi. Non, frère, ce n'est pas faire ça jamais, jamais, parce que la gloire nous est donnée à Dieu. Hein? Parce que imagine bien, frère et sœur, la Bible donne un exemple très clair, frère et sœur, très, très clair, très, très clair dans les actes des apôtres, le chapitre 12, le verset 21 au verset 23, nous causons Hérode, pharisien, qui est arrivé mot sec. J'ai précisé, pharisien, le sociaise, right? Et ben, je me flatte. Ben, je dis, il me dit, Hérode, la sec, il me dit, un Dieu, il me dit, un Dieu, un ange vient de donner un claque, pharisien. Ça, le sociaise, tombe en bas, right? Il meurt tout de suite. Qui fait? Parce qu'il finit de reprendre la gloire qui appartenait à Dieu, et il finit de l'associer avec la gloire de Dieu. Clac, un seul coup en bas, pharisien. Dieu jamais, vous dites bien, Dieu jamais vous donne sur la gloire à un homme. S'il donne nous la gloire là, c'est parce qu'il nous a retourné ça. Il donne nous la gloire pour les glorifier nous, ensuite pour nous glorifier lui. Vous entendez tout ça? Dieu les glorifie nous pour nous glorifier lui. Qui fait le glorifier moi pour me glorifier lui? Tout le temps, vous entendez ça? Et donne-lui la gloire qu'il est bizarre. Une santé. Donne-lui la gloire, l'y mérite. Ça même. Une santé pourtant. Donne-lui la gloire, nous mérite, l'y mérite. Donne-lui la gloire, l'y mérite. Ça, c'est un cantique que tu peux chanter. Encore, nous bien commencer à sentir un peu dans l'église de Maurice. Il est tellement important. Donne-lui la gloire qu'il mérite. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Et pour terminer maintenant, pas oublier Abraham dans Romains, avec 4, verset 20. Il dit à nous, Abraham, tu crois donc ce qui bon Dieu finit d'y aller? Il n'a pouvoir pour réaliser. Il dit, il donne gloire à Dieu. Et il connaît que bon Dieu est capable de faire ce qu'il peut faire. Il donne gloire à Dieu. Il connaît bon Dieu est capable de faire ça. Et il commence à donner gloire à Dieu. Et ça qui est plus important dans la vie d'Abraham, il donne gloire à Dieu avant de recevoir son miracle. Il est fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu avant de recevoir son miracle. Ça, c'est une autre étape que dans le monde, il dévance et il est à l'avant. Ouais. Donc, gloire à Dieu, remercie mon Dieu avant, permet mon Dieu d'agir. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Papa, dans le nom de Jésus, nous rends-toi grâce pour toute la gloire manifestée en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous remercions-toi, Seigneur, que tu es un Dieu de gloire. Te parole, dis-nous, Seigneur, te fin appel nous, te fin justifier nous et te fin glorifier nous, te fin mettre la gloire à nous. Afin que, Seigneur, nous capables de glorifier toi. À chaque fois que nous faisons l'expérience avec toi. À chaque fois, Seigneur, que nous recevons de toi. À chaque fois que tu interviens dans nos vies. Papa Céleste, pour rendre-toi grâce. Pour connaître, Seigneur, qu'à chaque fois qu'il nous passe dans un moment difficile. À chaque fois qu'un quelqu'un est malade. À chaque fois qu'un quelqu'un est tourmenté. Ça va faire toi gloire, Seigneur. Te non pas glorifié par ça, notre Dieu. Alléluia. Te non les glorifier quand je guéris. Quand je te délivre. C'est pour cela que je prie toi, papa, ce soir.
pour n'importe qui s'en a qui finit d'entendre ça, mais c'est là qui est malade, qui est dans une situation compliquée, difficile, qui je peux arriver à croire ce soir, Papa Céleste. Je peux croire dans toute la gloire. Je peux croire dans toute puissance. Je peux croire dans toute l'intervention. Bon, priez pas, toi, Papa Céleste, qui te touche toute la vie, qui te agis dans toute la vie, de intervenir maintenant même dans le nom de Jésus, de délivrer totalement de toute bonne emprise, de toute bonne influence qui fatigue Zot, de délivrer de toute bonne faute, de toute bonne souci, de toute bonne maladie, Seigneur notre Dieu, alléluia. Délivrer de toute bonne vice, de toute bonne passion. Oui, Seigneur, afin que toute la vie d'être remplie de toute la gloire, remplie de toute présence, remplie de tout Saint-Esprit, remplie de ce feu du Saint-Esprit, afin que tout ce qui est mal, y être consumé, y être détruit au-dedans de nous, pour la gloire de ton nom, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, me prie toi, Papa, qui en tout temps nous capables, conscients, Seigneur, qu'il nous a besoin de ta gloire, nous a besoin de remercier toi. C'est toi qui mérites l'honneur, notre Dieu. La gloire lui appartient à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous les donnons en tout temps, élève ton nom, Seigneur, dans chaque situation et dans chaque circonstance, pour la gloire de ton nom, Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous vous récitons ce cantique-là encore une fois, pharisiens, qui chantait tout à l'heure là. Et puis, on vous rappelle les autres pharisiens qui, demain matin, à 10h, congé biblique, nous n'arrions ici à Québec. N'importe qui s'en a qui t'a compté à mes nous. Si toutefois, on a un nouveau, puis écoute-nous. Ou capable de faire partie demain, nous à nous. Et nous capable de prier pour vous. Permet que la gloire de Dieu les manifester dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Manifeste toute la gloire. Nous le cœur lit grand ouvert. Nous peut proclamer manifeste toute la gloire, manifeste toute la gloire, nous le cœur lit grand ouvert, nous peut proclamer. Manifeste.